Je vous reprends à la toute fin de la réalisation du colo. Ça a pris environ une dizaine d'heures. C'était plus long que prévu. Je pensais vraiment que ça allait prendre autant de temps que l'autre d'avant, qui lui a pris plus de temps que l'autre d'avant. Donc, vraiment, à Cocowayo, c'est variable. Je peux pas dire que j'ai aimé le faire autant que le spooky, le Weird Couple que j'ai fait il y a quelques semaines, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Parce que vraiment, j'ai adoré faire le visage. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec les cheveux? Est-ce que je suis ma référence? Est-ce que je fais autre chose? Donc finalement, j'ai pas suivi la référence. J'ai suivi juste pour le type de fond uni que vous voyez. Je vais essayer de voir si je peux baisser la luminosité parce que le rose paraît très bébé. Alors qu'il est beaucoup plus vif, c'est le rose vif des Posca, donc vraiment rose, et non rose bébé, là, c'est pas un rose pâle, c'est vraiment un rose très très agressif, puis je trouve que ça, je vais voir si je baisse la luminosité, est-ce que ça fait quelque chose? Ceci, bon. Non, ça fait aucune différence. Mais bon. Ce que je disais, c'est que ça m'a pris des hauts et des bas, des va et des vient. Je travaillais dessus, ensuite je le laissais 3-4 jours sans y toucher. Ensuite je le reprends, puis ça ne me tentait pas. Donc, vraiment, ça n'a pas été le colo qui a progressé de façon égale, mais vraiment, ça a fait comme ça. Est-ce que je travaille dessus, je travaille pas, etc. Au final, je trouve que le résultat, il est beau. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas mettre des petits points, parce que je voulais vraiment donner quelque chose de net, plutôt que de quelque chose de vaporeux ou avec des petits points de magie ou quelque chose. Donc, je voulais vraiment donner un effet net comme ça. Puis, je l'aime bien. Ce n'est pas le plus beau colo du siècle. Il a beaucoup changé par rapport à mes plans d'origine. Moi, au début, je voulais faire ces boucles-là en arc-en-ciel, cette boucle-là aussi en arc-en-ciel. Je me suis dit, bon. Ça aurait fonctionné si j'avais utilisé des aplats, mais comme j'ai pas été capable de me limiter juste à des aplats, si ça fonctionnerait pas. Donc j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de beaucoup plus pas net, mais beaucoup plus sobre que motif arc-en-ciel. Mais je n'oublie pas le motif arc-en-ciel parce que je vais essayer de le faire dans un autre colo. Il me resterait juste la touche finale. Je ne vais juste pas mettre ma main dans la peinture. Il resterait la touche finale. C'est des petits points comme ceci d'illuminement par rapport au doré. On en met un sur l'étoile. Pas mettre ma main dans le petit. J'arrive jamais à les faire mettre ces petites étoiles-là. Elles sont toujours décalées. Ceci, puis on m'en met un petit peu en haut. Ici. Aussi là et un dernier ici. Je veux vraiment la finition. J'aurais dit, je ferais pas de point, mais autour de ces petites étoiles-là, ça ajoute quand même quelque chose. Ok. Donc, là, c'est vraiment fini. Alors, fait que c'est ce que je disais, c'est que ça a été.
vraiment des bas et des viens. C'était des hauts et des bas pour arriver à le terminer. J'avais des appréhensions au début. J'ai changé le fait qu'il y avait une bande ici derrière un fond noir, des cheveux noirs. Puis je me suis dit non, je l'ai changé. Donc, par rapport à la référence, ça a vraiment énormément changé. J'ai pris ce que j'ai. Et le plus aimé, c'était vraiment le fond uni comme ça de la référence. Mais le reste, ça a énormément changé. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait. Je voulais vraiment donner le look décorat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Et je trouve pas que j'ai réussi tant que ça. Parce que je pense pas qu'ils mettent du doré dans leur palette. J'en ai mis parce que je voulais le faire. Je trouvais que c'était ça qui s'appliquait le mieux. J'aurais pu choisir. Du violet ou n'importe quoi, mais j'ai vraiment voulu faire le doré. J'aime le fait qu'il y ait du orange ici, du rose là. Les yeux, si on veut juste voir les yeux en plus grand détail, avec les cils roses. J'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve qu'il pep. C'était pas trop difficile, c'est un peu long, mais quand même, ça a été agréable. Je pense que aussi, ce qui m'a un peu bloqué, c'est le papier. Le papier, c'est pas le. Fabriano avec la voiture que j'aime beaucoup utiliser, c'est pas non plus celui de mon imprimeur, c'est le vieux papier que j'utilisais avant et je vois vraiment la différence, il est beaucoup plus granuleux. Je ne sais plus c'était quoi cette marque de papier, je pense que c'était Canson, je sais plus trop. C'était pas mauvais comme papier, sauf que je me battais un peu contre la texture. Qui n'était pas si désagréable, mais je vois la différence entre ce papier et le papier que j'utilise maintenant, parce que ça fait au moins un an et demi que j'ai numérisé ce colo et qu'il est dans ma TAC, table à colorier. Donc, le papier, j'ai pas songé à le changer. Donc, c'est ça. Je vais continuer à colorier du Coco Wayo. J'en ai un autre de prévu que je voulais faire. En duo avec une colocopine. J'ai hâte de le faire parce que il va y avoir quelque chose de nouveau dessus. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette mise en couleur. Honnêtement, je filme la dernière partie après le fait que Cocoyo n'existe plus sur Amazon. Je me sentais vraiment mal parce qu'au début, je me suis dit, ah ben j'ai ce Cocoyo là, je ne l'ai jamais attaqué, je vais l'utiliser. J'ai envie de colorier dedans, donc j'ai pris une image que j'aimais dans le livre, qui m'inspirait beaucoup, que j'avais déjà numérisée, donc qui était déjà à côté de moi, donc je l'ai fait. Pour remarquer ensuite, avant la disparition de Coco Wayo, que ce livre-là n'existait plus. Donc je me suis dit, ah ben, si quelqu'un veut acheter le livre pour faire le colo avec moi, ce ne sera pas possible. Et ensuite, Coco Wayo a disparu, n'existe plus, ils sont pas en procès, mais en processus avec Amazon pour voir qu'est-ce que Amazon peut faire pour eux. Et s'il n'y a aucun résultat possible, ils vont aller soit imprimer leur livre sur un autre site, ou peu importe, ou à le digital. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir une mise en couleur de ce livre-là, parce que des portraits, on peut les faire ailleurs. Le style que j'ai utilisé, on peut le faire ailleurs aussi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment désolé pour toutes les personnes qui auraient voulu acheter le livre pour me suivre, qui voulaient acheter le deuxième décorat pour me suivre sur ce colo-là. Mais vous pouvez utiliser mes palettes de couleurs, les astuces que j'ai montrées, que j'ai mis en voix off parce que mon ordi, encore le son, est problématique. Donc le temps que j'achète un nouveau micro, il y aura juste des vidéos en voix off ou des vidéos avec de la musique. Même la voix off, j'arrive pas à l'enregistrer efficacement. Donc, beaucoup de blabla pour ne pas dire grand-chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Il va en avoir d'autres sur la chaîne parce que j'aime bien le format. C'est que beaucoup de gens n'aiment pas les speed coloring, mais je trouve que c'est sympathique quand même. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coloriez bien.